Alors, c'est un rassemblement donc, qui s'oppose à tout ce qui ne va pas dans ces JO, notamment la participation d'États génocidaires à du coup, ces Jeux Olympiques, la Chine, Israël, tout ça, voilà. C'est un rassemblement contre toute la catastrophe écologique et sociale que ça représente, contre l'expulsion des étudiants et des SDF. C'est un rassemblement contre la surveillance généralisée qui a été mise en place de façon exceptionnelle, donc selon le pouvoir, mais qui va perdurer comme toute mesure exceptionnelle qu'Emmanuel Macron a mise en place. Donc c'est un rassemblement contre la répression qu'on va subir et que les armes légales que les JO ont pu justifier vont être utilisées contre nous. Et justement, avec ce rassemblement, qu'est-ce que vous demandez concrètement ? Ah ben alors du coup, comme je viens de le dire, qu'Israël et la Chine ne puissent pas participer donc, à ces Jeux Olympiques, parce que ce sont des États qui génocidaires, donc Israël qui fait un génocide sur la population palestinienne, et la Chine sur la population ouïghour. C'est aussi le fait qu'on... ce qu'on demande aussi, c'est que autant faire du sport, c'est pas ça le problème. On fait du sport, il y a des compétitions, c'est pas ça le souci. Mais que ça engendre autant d'émissions de gaz à effet de serre à cause du coup du tourisme de masse et tout ça, alors que les gens pourraient très bien les regarder chez eux, les JO, il n'y a pas de souci. C'est vraiment un énorme problème. On ne peut pas aujourd'hui, à l'heure où on est vraiment au bord du gouffre écologique, se permettre des événements pareils tout en prétendant être écologique, tout en prétendant être écologiste en fait.
fait, moi, je suis... comment dire, déjà, le sport, je m'en fous. Et je trouve que cette gabegie de fric, c'est indécent. Je disais tout à l'heure à la dame, c'est complètement indécent de mettre autant de fric alors qu'on nous demande de faire 10 milliards d'économies cette année, 25 milliards l'année prochaine, 50 milliards dans deux ans, hein, alors que les ultra-riches n'ont jamais gagné autant d'argent. Tout le problème, il est là. Hein, et que ce sont les gros patrons qui sont les marchands d'armes qui font les guerres. N'oublions jamais que les guerres... C'est le massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit de gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Alors quand on me dit oui, le sport, c'est bien, l'esprit sport, etc. Mais franchement, là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, alors que le monde entier est en feu, c'est pas possible, c'est pas supportable. Voilà. Regardant moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est cette manifestation, en quoi elle est importante? Alors c'est une manifestation contre les JO en général, avec différentes associations qui luttent contre les JO pour des raisons de gentrification, de travailleurs non déclarés, de pollution notamment auprès de la mer, etc. Et puis moi je suis animatrice de la campagne BDS France. Et moi, ma raison pourquoi j'appelle au boycott de ces JO, c'est parce qu'on a demandé au Comité international olympique de exclure les équipes de sportifs israéliens et de sportives israéliennes. Et comme ça n'a pas été accepté, eh bien on appelle au boycott des JO. Thank you.
soutenir, du coup, selon moi. Thank you.